Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 3 de The Last of Us 2, l'aventure horrifique évidemment. Et comme d'habitude, prévoyez un petit truc à boire, un petit truc à manger, éteignez les lumières, mettez un casque ou des écouteurs. Et surtout, si vous pouvez, mettez en 4K 60 FPS, vous allez vous régaler. Je vais vous régaler. Et si vous avez quelques secondes à perdre pour récompenser ce travail, n'hésitez pas à poser votre plus beau like, tout simplement, parce que ça fait extrêmement plaisir. Et votre plus beau commentaire. C'est parti, on continue donc notre patrouille avec notre ami. On peut déjà fouiller des trucs. Moi, vous savez que là, on va vraiment prendre son temps. Je vais tout fouiller. Je suis fondant croquant au sujet de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? J'ai trouvé de l'alcool. Oh. Et moi, du tissu. Oh. Tiens, arrange-toi un peu. Et ben voilà, on va apprendre à crafter un petit bandage des familles. Allez, on va étudier tout cela, n'est-ce pas? Confectionner un bandage, il faut rester appuyé. Et ben voilà, on a fait notre premier bandage. On n'est pas beau, mais bien sûr que si, on est beau. Équiper le kit médical et rester appuyé sur R2. Pas de soucis. On est déjà reparti, je suis full life. Attendez, je suis sûr qu'il y a des sports. Oh, il y a des sports. Il faut les masques. Souvenez-vous. Ok. Souvenez-vous. On est reparti en enfer. On est encore en phase de tuto, j'en suis quasi sûr. Là, il y a peut-être un truc. Oh, Sugoi. Sugoi, Sugoi. Hop, désolé. C'est R2 pour reload et non carré. Les petites habitudes. Les mauvaises habitudes se gardent malheureusement. Sinon, ça serait pas une habitude. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, c'est mignon. Ok. Tous ces sports, ça veut dire qu'ils sont là depuis un moment. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ouais. D'accord. Ça, on ramasse. Ça fait partie du supermarché? Je ramasse. Sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. On est reparti en enfer, là? Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Attends, on est dans un supermarché? Il y a des sports? Est-ce que ce serait pas Intersport? Excellent ça! C'est l'humour qui me fait vivre, bordel de merde! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais rien du tout. Allez, on se casse. Oh, si. Une brèche m'habite. Ok. Employé du mois. Oh, on Sugoi. Alors ça, c'est possiblement les victimes qui se sont transformées et qui sont encore par ici. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, 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 encore what? Rien du tout. Rien du tout. Là, on a quelque chose. Ok. Alors, je me souviens déjà plus d'une touche et ça, c'est assez terrible. Y a rien. Mais non, mais quelle est c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Je me souviens plus d'une touche. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est l'esquive. Ça, c'est le changement d'arme rapide. C'est bien ce que je pensais. J'ai pas trouvé la touche. Oh, ça, c'est Sugoi. On va bientôt pouvoir s'améliorer. Vous avez 22. Stimulant, et ça fait plaisir. C'est pas ça, c'est pas ça. Et ben je n'ai pas la touche. Très bien. Attendez. Oh! Oh, c'est trop stylé. Je pensais qu'on pouvait ramper uniquement quand il y avait le décor qui disait, mais pas du tout. C'est trop bien. Je vais faire toujours comme ça. Oh, c'est trop stylé. Mais non, mais c'est trop bien, vraiment. Ok. Bon, ça se trouve, on n'aura aucune utilité à ramper, hein. Vous aurez compris le truc. Oh, ça, c'est Sugoi. Ça, je prends ça des coffres forts comme ça, mon frérot. Oh non. Ah bah non. Ah mais non, mais je prends pas alors. Ça va, madame? Est-ce qu'on a trouvé une combinaison? Bon. Eh ben, va falloir qu'on trouve une petite combinaison qui traîne quelque part. Peut-être là-dedans, peut-être dans un papier, je sais pas trop. Là, je vous avoue que c'est un peu une nouvelle mécanique. Ah, peut-être là. Tout simplement. Ce qui va nous apprendre à lire les notes, évidemment. Lire! Et Kristen, je t'ai laissé la meilleure cam dans le coffre. Le code, c'est la date à laquelle mon chien est devenu employé du mois. Et t'as pas intérêt à la refourguer. C'est pour ton dos, ok? Prends soin de toi. Très bien, ça me plaît, ça. Ça fait des petits trucs à la Resident Evil. Ça me plaît beaucoup. Donc, on retourne devant les employés du mois qui sont ici. Et c'est la date, le chien. Juillet 2013. Très bien, ça.
Par conséquent, c'est le 7. Alors, attendez. Si j'ai bien saisi le truc, c'est le 07-2013, non? 07-2000. Ah ouais, non, mais en gros, ça peut être un chiffre infini. N'importe quoi. Oh là là, le monstre, le monstre! Ça a marché. Mais ça y est, mais je suis déjà un monstre dans ce jeu! Oh là là, mais régalez-moi! Mais ça ne s'arrête plus! Ok, on se casse. C'est bon, madame, on peut y aller. Ah non, c'est pas du tout par là. On vient par là, non? Attends. Oh putain, je suis déjà perdu, je vais bouillir. Non, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, on s'est régalé. Est-ce que ça vaut peut-être le coup de se modifier maintenant? Elle allait simplement l'enfer! Ok, on est dans la merde. Ok, on est dans la merde. On est dans le nid, les amis. Tiens. C'est bon. Ok. Putain, claqueur. J'éteins la lumière, ça me stresse. C'est parti. Fais pas un bruit. Ok. Aveugle, hein. Le doute m'habite. J'ai besoin d'une brique. Ok. Allez, ça c'est fait. Je sais pas si mettre la main devant sa bouche. Ok. Alors si je m'abuse. Ils sont aveugles, hein. Eux, ils se dirigent uniquement par le son. Il y a un truc. On a une bouteille. On va éteindre la lumière. Madame ? On se calme. On souffle un coup. Dégage ! Ok. Putain. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Non mais ils sont bien aveugles mais... Là, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Moi il a pas pu m'entendre moi en fait. Je pense que c'est elle. Un moment, elle a bougé, ça, non? Ça, je suis d'accord. Ça se trouve, elle m'a même pas entendu en plus, c'est ça le pire, hein. Je suis tombé dans un traquenard. Et ça, ça me ferait chier. Oui, j'ai bien dit traquenard à l'américaine. Ok. On va tout fouiller. Les amis, j'ai perdu une touche, et ça, c'est terrible. Mais vraiment, je m'en veux énormément. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ok, c'est là. J'ai perdu une touche. C'est terrible. Dina. Tu peux m'aider. C'est pour écouter attentivement. J'arrive. C'est quoi la touche? C'est pas vrai. Fallait rester appuyé sur quelque chose. Je sais plus, c'est horrible. Ça, je vais mettre droit. Pas grave, ça va me revenir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, je vous avoue que j'ai passé un week-end plutôt très sympa. Et j'ai oublié cette touche-là. Qu'est-ce que c'était? Je l'ai, mais putain, mais qu'est-ce que je suis beau bourse. Je te prépare un cadeau. J'aime okay. Les cadeaux. Oh. Moi aussi j'aime les cadeaux, hein. Excusez-moi, il hein, y a un joueur hein, derrière chaque Ellie. Hein. Et il y a un chanteur derrière R. Kelly. C'est l'humour, encore une fois. Oh, Molotov. Tiens. Merci. Faut avoir la ref. Très bien. Eh bien écoutez, c'est rangé. Fais gaffe avec ça. Je maîtrise. C'est pas fini. Confectionner, on va se faire un petit molotov. Voilà, on en a deux. Hop, 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 hop. Ça, on prend ça. Ça, on prend.
Oh, les particules, vous devez vous régaler en 4K, vraiment. Hein. Ouais, je fais un peu l'américain, mais vous devez... Oh là là, mais attends, c'est la régalade. Attends, dégage pour voir. Vous devez vous régaler en 4K. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on s'amuse ici? Ok. Très bien. J'ai deux signatures. Deux signatures thermiques. Ouais, je joue beaucoup à Escape from Tarkov. Alors, vous savez, moi, le langage militaire, c'est fait pour moi. Oh, pas du tout. Très bien. Toujours deux. Alors, par où on part? Par là? Vous croyez? Attends, j'ai pas suivi l'ampleur du... On est venu pour... Non, on n'est pas venu pour un molotov, c'est pas possible. On n'est pas aussi con, si je puis me permettre, excusez-moi du peu. Ben voilà, c'est pas ici. Non? Eh oui, voilà. Ok. Il y en a un paquet ici. T'en penses quoi? Oh putain, elle m'a fait peur. Commence par les coureurs. Et il voit très bien. Ok. Ça c'est fait. Allez, dépêche-toi, putain, Ellie. Ok. Les aveugles, ils vont pas être trop gênants. Toi, faut que t'arrêtes tes cascades, là, ça. Ça, c'est un coureur. On souffre tous ce soir. Oh là 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 là. Ouvre l'œil. Ok. Tout ceci est très embêtant. Et ben on est reparti, les gars. Ok. Ah, oh putain de merde! Aïe 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 aïe! Ah, ah, faut m'aider! Hop! Un petit coup! Hop! Non! Tu vois? Oh, c'est tellement expéditif! Oh, c'est quoi ce délire? Mais j'avais pas souvenir que c'était aussi expéditif! Bien joué! Bien joué, je l'ai pas vu arriver celle-là, hein! Je peux te le dire, mon petit pote! Ok. Mais ça devient... Je l'ai vraiment pas vu arriver, l'autre coureur. Donc, trois coureurs, deux claqueurs. Ok. Je me ferai plus avoir deux fois, je te le dis, mon petit pote. Je me ferai plus avoir deux fois, je te le dis, mon petit pote. Je vais me faire avoir deux fois. Ok, les trois sont là. Aïe, 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 désolé. Je parle pas, j'ai... Imaginez que je suis sûrement comme vous, bouche ouverte, en plein suspense. Ah ouais, mais j'ai cru qu'elle m'avait vu parce qu'elle avait fait ça, en fait. Ok. Mais pas du tout que Nini. Que Nini. C'est ce salopard au milieu qui m'a brisé mes rêves. Madame ? Un petit 360 caméra. Oh là là, l'angoisse ! J'adore. J'adore, je suis pas bien. Voilà, ça c'est assez fertile ça. Ok. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Bon, j'ai pas bien localisé le parcours de ce jeune homme là-haut.
Mais... Ok, ça c'est pas mal. Forcément... Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris le but du jeu. Très stressant, hein. Allez, mon frérot, je sais pas où tu vas, je me souviens plus. C'est bon, d'accord, tu peux tourner le jeu. J'ai paniqué. Je m'en veux tellement. Oh là là. Il en reste. Oh, je m'en veux. Ouais, j'ai voulu tenter un beau jeu, mais j'avais pas vu qu'il y en avait encore un troisième. Tu sais quoi? Oh non, c'est terrible. On est impressionnante. Ah, c'est terrible, je m'en veux énormément. Allez, on va au prochain poste de guet. Ok. Et on fait une pause. Ah, je m'en veux. Quelle erreur du joueur franco-hongrois. Ouais, j'ai paniqué, je me suis dit, vas-y, la première, elle a pas proc. Mais pas du tout. Allez, on fouille tout. Pas du tout, c'était vu, c'était localisé, mon pote. Ok, pas l'air d'y avoir de choses. Très bien, on peut y aller. Bon, est-ce que je vois la sortie? Bien sûr que non. Je vois un rideau électrique, donc je suppose que c'est là-haut, un rideau mécanique, peut-être, je ne sais pas. Ouais, je me connais en rideau. Ça bouge pas. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Pardon? Ok. Ok. Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir. Très bien. Allez, vas-y. Mais grave. Ok, on fait quoi? C'est quoi le projet là? Tu vas monter ça toi? Ok, c'est bon. J'y vais. Vas-y, régale-nous. Hop, on va prendre le fusil parce que je sens que ça va swinguer. Ça va là-haut? Ça va se casser la gueule ça. Les gars, c'est Naughty Dog. Hein. Donc vous savez que dès qu'on prend un chemin, on se casse toujours la gueule. Du vent. Ok. Juste voilà, on la suit. Allez, maintenez L1 pour grimper. Oui, effectivement. Attends. Très bien. Là, par normalement, ici. On devrait être sécure. Ah non, pas du tout. Oh, il y a nos chevaux. Incroyable. Parfait, la tempête approche, là. Oubliez pas qu'on était suivis, hein. On est loin du poste de guet. C'est juste après la prochaine ville. Ok. Je te suis. Allez, on a fait tout le tour. Mon pauvre cheval, il est resté dehors. Le cheval, c'est vraiment génial. Mon pauvre cheval. Ah, il y a une couche de neige et tout. Il fait un peu de la peine, tu vois. Allez, go. On y va. Au galop. Encore loin? Encore quelques minutes! Ok. Ah, c'est un bordel là. On était suivi derrière par la dame, la blonde, je sais déjà plus son prénom. Veuillez m'excuser, après deux jours, je vous avoue qu'on ne retient pas tous les prénoms. Et elle était toute seule, mais elle était sur nos traces. C'est pire en pire! On fait demi-tour! Donc, il va falloir faire attention. C'est trop tard maintenant! Mais là, c'est un enfer, c'est une vraie tempête. On est où? À New York ou quoi, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Les Américains, ils font rien de travers, c'est terrible. Je sais, ma belle. Allez, continue. Allez? Ah ouais, mais elle veut plus avancer, oh non. Dina, c'est encore loin. Allez. Dina? Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Dina! Ok. Oh, shit. Non mais c'est pas possible, elle a été con. Attends. Dina, t'es où? De toute évidence pas là.
là, mais il y a à gauche aussi. Moi je fouille, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ok. Merde. On va y avoir. Peut-être par ici, non? Je sais pas. En vrai, ça me semble louche. On a fait le tour. Non, et les gars, vous avez quel âge? Mais j'en sais rien, Ellie. Allez, elle doit être à gauche. Dina! Ellie! Ok, j'ai. Je te vois, Dina! Ah ouais, mais oh, ma soeur! Super! Allez! Putain, heureusement qu'elle a fait demi-tour! Débile! De toute façon, j'allais retourner ici, mais enfin quand même! Bah, où est-ce qu'on va? C'est un peu tard pour demander ça. Ah oui, d'accord. Ah, je reconnais ça. Pas à l'intérieur! Ok. Avec le cheval et tout? Mais non. Vas-y, installe-toi, mon frérot, hein. Allez, paillettes, on est arrivé. Tu vas pouvoir te sécher. Oui, il s'appelle paillettes. Ça, c'est le jeu qui l'a décidé. Hein. Ok. Eh ben. J'ai venu. Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. Bon. Pistolet, c'est fait. Carabine, j'ai. Normalement, ça devrait le faire. Au pire... Ah, on pourra se faire une lame. Incroyable. Au pire... hop, j'en recrafterai. Je peux... Je peux checker là. Il n'y a vraiment rien là-dedans. Quelqu'un a tout verrouillé. Bah, c'est bien, tant mieux. Il y a un truc au fond. Ça, c'est moins bien. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu vois un moyen d'entrer? Moi non. Très bien. Il y a possiblement un squatter. On dirait que ça fait un bail que personne n'est venu ici. Ok. Hop. Bon, bah on va passer par ici. On n'a pas trop le choix. C'est la seule porte que je vois. Chut. Ah, papa. Bah non. Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Attends, et la vitre en vrai, non? À l'américaine. J'ai pas envie d'arracher une. Ok. Ça marche. Je suis vraiment à moi. C'est quoi tout ça? Quelqu'un de normal aurait tourné bien longtemps c'est autour de ça. Électronique. C'est forcément à Eugène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Mais en vrai, je ramasse ma truc. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas parce que ça va être quelque chose de très intéressant. J'ai 73 pilules. Et je vais pouvoir améliorer un petit peu mon arbre. Donc ça fait plaisir, pour l'instant je peux améliorer que l'arbre survie, pardon. Donc mode écoute, vitesse de déplacement, augmente votre vitesse de déplacement en mode écoute. Eh ben ça me paraît pas mal, et de toute façon j'ai pas trop le choix. Et ensuite, kits médicaux rapides, augmente la vitesse d'utilisation des kits médicaux. Donc ça va deux fois plus vite de se soigner. Ça me paraît être un peu un indispensable pour le coup. Donc ça c'est fait, et après on améliore quand même notre santé de 25%. Donc c'est plutôt cool, comme quoi il y a un intérêt à tout fouiller. Même si j'ai bien l'impression que les mecs one-shot. Huh. Tiens. Eugène, ouais, effectivement. C'est bien la planque d'Eugène. Effectivement. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. Très bien, on range. Ça c'est dans la poche. Je savais pas. Ouais, ils ont fait des trucs assez moches. Du genre. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il m'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Hop, j'ai dessiné une girafe. Hein. Joël, on fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. On pourra lire ça un petit peu plus tard. Oui, c'est vrai qu'avec Joël, on a fait quand même de sacrés massacres, mais bon, c'était la bonne vieille époque. C'était il y a 5-6 ans déjà. Bon, 4 ans dans le jeu pour le coup. On va essayer de tout fouiller. On n'a rien. Oh, carte à collectionner. Je prends. D'ailleurs, PDG de Spark, on va voir un petit peu qui ça peut être. C'est Laurent Foucault!
Et voilà, on avait le daron Jean-Pierre. Laurent Foucault, intelligence 100, force 20. Né avec un esprit brillant et de nombreux handicaps physiques, Laurent Foucault passe son enfance dans des hôpitaux. Diplômé de médecine à l'âge de 15 ans, il développe un remède à sa maladie génétique. Le brevet le rend instantanément multimillionnaire. Quelques années plus tard, les millions se transforment en milliards et lui permettent de fonder l'empire techno-scientifique Spark, afin de poursuivre librement sa quête insatiable de savoir et de progrès. Selon la rumeur, Spark aurait développé un moyen de conférer à des nouveau-nés des super-pouvoirs. Mais Foucault nie ces allégations ridicules. Et c'est un méchant, évidemment. Hein, c'est toujours des méchants. Quand, forcément, tu essayes de donner des super-pouvoirs à un bébé, c'est pas très bien. D'accord, laissez ce bébé tranquille, il n'a rien demandé. On va ramasser tout ce qu'il y a là-haut, parce que là, je sens que ça régale. Oh, ça s'arrête plus. Non, pas du tout, il n'y a rien du tout. Oh, je sens que ça régale aussi. Non, pas du tout. Ok, il y a bien un lit. Tiens, on va voir un petit peu qui se cache par ici. Ça en prend. J'ai vraiment beaucoup de trucs à crafter pour le coup. Oh putain. C'est Tommy et Eugène. Ils ont des têtes de bébé. Ok. Hop, ça c'est dans la poche. Hein. Ouais, je vole des photos souvenirs. Qu'est-ce qui se passe? Qui la va lumière, dire quoi? Personne. Les radiateurs. Il doit forcément y avoir un générateur dans le coin, c'est sûr. Alors, on va savoir peut-être ça tout de suite. Lire, Eugène, je t'en supplie, rentre à la maison. Si les Lucioles veulent sauver le monde, eh bien laisse-les faire. Laisse-les s'attaquer à l'armée et aux politiciens. Laisse-les mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Qui sait, ils réussiront peut-être un jour. En attendant, tu dois d'abord penser à ta fille. Les Lucioles s'en sortiront sans toi, mais pas elle. Elle n'arrête pas de me demander quand tu vas rentrer. Je n'ai plus la force de lui mentir. Tu me manques, mais je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Rentre à la maison, s'il te plaît. On t'aime. Claire. Est-ce que derrière, peut-être... Oh ! Oh bah mon frère Eugène, incroyable ! Allez, on dirait une vraie photo. C'est dingue. On va peut-être ouvrir ici, non ? Bah, voilà, j'ai trouvé le générateur. Je suis une machine. Bon, s'il y a un lit ici, c'est que normalement, il ne devrait pas y avoir de claqueur ou autre. On devrait être plutôt serein là-dessus. Je pense, j'espère. Allez, go. Oh, putain de merde. D'accord, j'ai compris. Ah, d'accord, on est dans des mini-jeux comme ça maintenant. Très bien. Ah, je préfère ça. C'était sympa. J'ai passé quand même un bon moment, je vais être respecté avec pas vous. Pas mal ton établi, Eugène. Et eh ben on je va pouvoir crafter. Tu peux modifier ton arme avec ça. On va pouvoir crafter, ça c'est méga cool bordel. Il était temps. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un silencieux peut-être, je ne sais pas. Lunettes, mais non c'est trop bien. Amélioration 70. Donc c'est ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Oh là là, c'est trop stylé. Cadence de tir. Stabilité. Recul. Plus 25% de précision, moins 35% de recul. Et capacité du magazine. Ah ça c'est bien aussi ça. 5, et ben... Allez, un plus grand chargeur. Bricoleuse, c'est pas mal. Ça me plaît énormément. Voilà. 4 balles en plus, c'est clairement pas négligeable. Ouais, ça va le faire. Ok, et normalement, il ne me reste plus rien. Je vais voir quand même, est-ce qu'on peut... Non, on pourra plus. Très bien. Par contre, je pourrais améliorer tout ce qui est précision. Bon, bah à mon avis, on va garder ce pistolet tout le long de notre aventure. Je peux mettre une lunette x6, augmenter les dégâts, stabilité et capacité. Quand même assez insane. En vrai, on peut bien améliorer ses armes et ça, c'est méga stylé. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ma grande? Coucou, toi. Ah oui, il a un réchaud, il a tout ce qu'il faut, mais c'est incroyable. Ellie, regarde par terre. Sugoi. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre? Pas ici. En vrai. Où est-ce qu'on peut descendre? Ah, d'accord. Malin le lynx. Allez, on passe par ici. Aide-moi. Très bien ça. Très très bien. Qu'est-ce qu'il cachait en bas? C'est forcément un donjon SM. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Comment ça me plaît? J'ai hâte d'y rentrer. Franchement, j'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul.
C'est sûrement un écran géant qui voulait garder pour lui. J'en suis sûre à 80%. 80? Wow. On va voir qui a raison. Eh bien non, on verra ça au prochain épisode, dans l'épisode 4. Que cache Bunker? Hâte de savoir, vous le saurez demain, ne vous en faites pas. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. A très vite pour la suite de notre aventure avec l'épisode 4 qui arrive en 4K 60 FPS. Comme d'habitude, bisous tout le monde, prenez soin de vous, ciao ciao.